Maman petite Marie Vente. Haïtien Fremsom, ça nous doit passer dans quatre dossiers assassinat président Jovenel Moïse là. Le 15 février 2023 en Floride, côté que la justice américaine avec FBI justement te bayon conférence de presse sous nouveau arrestation que fait dans quatre dossiers. Et mais ça nous te wea, c'était trois quêtes là. Chaela, c'est l'ou pral tande ensemble avec moi là dans quatre émissions. Moi-même, tout dit nous ça clairement. Grand monde dans pays me toujours à répéter proverbe ça. Maman petite ma revente. Est-ce que nous t'es songé qu'il y a une parole qui t'a parlé qu'on a fait de 20 millions de dollars américains qui t'est sorti dans des banques dans le pays d'Haïti, qui t'est transité par quelques banques en République dominicaine pour l'agence affaires Woodley, pour joindre responsable compagnie City ou yo, pour recruter mercenaires colombiens pour aller tourner président. Nous t'entendez ça? Si nous étendons, nous avons fait connaître un espace commentaire. Nous prenons le démarrer, effectivement, pour l'autre émission tête chargée avec criminel Sayo qui prend le pays en otage là, qui te pense que tu pas à l'aise après 19 mois que tu finis tout le président. Et mais je dis, ya, cabrette la colle. Jean Moun n'a pas toujours dit, c'est le cabrette la colle ou prendre contre vrai mettre bœuf là avec groupe monde qui te vole au bœuf. Je dis, nous avons pour devoir prendre responsabilité nous en tant que haïtiens. Parce que je dis, nous prenons atterri sous piste la vérité. Défaite. Situation prale compliquée à l'extrême pour coalition d'assassins Québec Cob pour tout le président. Reginald Boulos, Dimitri Vob, maman petite Marie Vente. Situation déjà compliquée pour groupe nek qui met Cob ensemble, qui met tête ensemble pour tout le président paysan, qui c'est président Jovenel Moïse. Et de fait, par la palais, peuple haïtien, monsieur Tadeu, que nous prenons responsabilité. Nous. Tout d'abord, avant que nous arrivions plus loin, je vous remercie chaque grain de nous qui nous fait fucking capable pour nous participer, pour nous partager l'émission ça. Sous tout groupe WhatsApp, sous tout groupe Facebook, yon façon pour nous faciliter plus moun capable de participer ensemble avec nous. Ça, m'pa ba nou menti, c'est une mobilisation, c'est une booster, c'est une plus gros travail l'on fait, parce que ou rentre travail ça, rive plus loin, et bien résultat que la baye, dans le moment que nous parlons de la peuple haïtien. Dossier compliqué pour groupe qui te tout le président, défaite libre compliqué, parce que nous travaillons pour nous retirer, nous quitter Kayo, parce que nous avons besoin de Kayo pour nous faire payer nous belle, nous réparer Kayo, nous reconstruire Kayo pour nous faire payer nous belle. Je exactement 19 février 2023. M'a dit nous bonjour et bonsoir tout le monde. Dépendamment de qui côté qui l'a ou attendez nous et ou regardez nous. Encore une fois, Jacques que nous connaît. C'est toujours un plaisir pour moi pour commencer avec nous sur plateforme Panou, sur plateforme YouTube Info bientôt. Parce que l'est clair que eh ben nous attendez, nous comprenons, nous apprécions avec nous. C'est normal pour que nous capable gagner une réaction. Réaction Panou, pas gagner autre côté que nous capable faire, c'est exactement l'espace commentaire là côté déjà ouais toutes les amis, toute famille plateforme ça à commenter, à dire ça que vous pensez, à dire ça que vous comprenez. Au même intérêt pas, mobilisation pas, boost pas, travail pas, sponsor pas, c'est prendre l'émission ça. Partagez le groupe WhatsApp, partagez-le avec amis qui sont dans le contact WhatsApp, partagez le groupe Facebook. C'est extrêmement important pour nous faciliter le travail ça. Rive Washington DC, parce que parole là, il doit parler dans tout niveau dans le monde là. Dossier assassinat président Jovenel Moïse là, il doit parler dans la ville Washington, peuple haïtien. Important pour que nous retirions tête. Yo. Voilà, nous avons démarré comme ça. Dossier assassinat président Jovenel Moïse. Nous te connais normalement. C'est un parti dans l'ambassade colombien qui t'est passé en République dominicaine. Il était tellement à l'aise, il a fait photo sous plage en Dominicanie. Il vient faire photo devant Palais national en Dominicanie. Et au juin, un ancien candidat à la présidence en République dominicaine prend un mettre un avion privé pour rentrer dans le pays d'Haïti ensemble avec yo. Et je dis ya, nation doit connait vérité ça. Reginald Boulos, Dimitri Vob, Gilbert Bidjo, Reven Bidjo, qui c'est petit Gilbert Bidjo. Et c'est ça que m'a dit nous qui est extrêmement important pour nous. Jodi à nation doit connaître la vérité dans ce qui passe dans l'assassinat président pays qui c'est président Jovenel Moïse. Et ça fait me dit quel que soit monde qui attendem dans la coupe pays d'Haïti. Si ou pas besoin la rien, pas sorti pour mettre en prison parce que gon vague kidnapping qui va relancer là, c'est la classe politique haïtienne qui va relancer pour faire diversion, pour garder comment ça va baisser. Tension dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Là ça, vous pouvez penser que quelqu'un qui va parler dans la presse, oh oui, parler de kidnapping, kidnapping. Mais m'a dit, quel que soit mon capitaine de n'importe presse là, si vous n'avez pas besoin de prendre la rue, parce que vous êtes capable victime de vagues kidnapping qui va lancer dans la rue, et par le pile assassinat, par le pile fusillade, pour que vous détournez attention monde, parce que nous-mêmes qui vivons dans n'importe presse là, vous utilisez la vie nous, comme yon, on vient bout de roche, yon tête mi, yon bois. Yon caoutchouc, n'importe quel on veut prendre yon boulel pour faire diversion. Et bien de fait, m'a dit ou, sou pa gen besoin,
pas sorti parce que ça qui va passer dans le pays a nèg yo clair sous li faut que continuer avec diversion. Yo gen des moun dans média traditionnel, yo gen des moun dans média en ligne pour faire diversion pour yo, mais faut que touye moun pour diversion en fait. Mais nous même nous dit clairement dossier assassinat Jovenel Moïse là, nous croit que c'est un dossier depuis peuple haïtien gen comprendre. Yo choisi prendre responsabilité yo pour bataille pour jeune la vérité. Dans ça qui gen pour avoir assassinat président, et ben effectivement me garantit nous n'a débouché sous délivre ce pays d'Haïti. Parce que même moun qui traîne Haïti, qui détruit pays, qui fait violence sur tout peuple, qui mette nous là dans le pays, c'est même moun sa qui tue président. Parce que président, normalement, l'État fait effort pour que le tourne l'État, qui tourne l'État prédateur, pour venir l'État serviteur, pour venir la population service. Ça veut dire l'État tape tourne vin jeune peuple. L'on paye taxe dans le pays, taxe ta vin jeune nous sous forme de service. Et pas taxe ta pas jeune groupe nègre qui dans le secteur privé des affaires là pour enrichir tête yo. Ou c'est des Syriens, Libanais, Palestiniens. Et mais ça, Jovenel Moïse ta fin avec tout nègre qui a un gros intérêt dans l'État. Contre peuple, et bien Jovenel Moïse te dit ça, faut que le finir. Il te commence à couper yo. Et bien justement, peuple haïtien, il a tué président pour ça. Et bien de fait, ou gen intérêt en tant que monde, en tant que haïtien, pour dire tout clairement, ou a bataille pour jouer la vérité, dans sa guignée pour avoir assassiné le président, de pour jouer une vérité, de pour jouer monde qui tue le président, me garantis ou, leur sont prêts à délivrer le pays, hein, parce que de fait, criminel, il n'y a pas plan encore. Assumez responsabilité, non, peuple haïtien. Kabet la collé, nous tuer président. Nous exilons président, nous empoisonner président, nous emprisonner président. Eh bien, nous avons un président qui coquait dans la gorge nous. Eh bien, pour Jovenel Moïse te coquait dans la gorge nous, imaginons 11 poissons. Pour 11 poissons coquait dans la gorge nous, il va coquer tout le vivant, non? Faut que tu aies poisson, hein? Faut que tu cuites poisson, hein? Faut que tu manges poisson, hein? Pour zo, l'on pote boue sous li pour zo, kap coquait dans la gorge nous pour le tranglo. Eh bien, de fait, zo Jovenel Moïse là, vint ton zo qui converti en bout de fer acier. Li kole nan goj, tout moun net ki te bay mo payo nan assassinat. Et ça qui est important là, ou même en tant que peuple, qui yo te fait boule caoutchouc, déstabiliser pays, di ou barricade lancer avenir, ou gen intérêt nan kat bataille ça, pour goumen kout nèg sa yo ki te endure en ewaya. Ou gen intérêt jodi a pour chercher kont André Michel Yé, pour mande le côté avenir. Côté avenir qui te des barricades là, je dis ouais barricades là, c'est avenir Nenel Kassi, André Michel, Majorie Michel, Don Kato, Chile Ludor, Osmila Petit Frère, Ariel Henry, les groupes criminels, la comment la coalition d'assassins qui prend pays à en otage, qui occupe espace l'État d'Assoa, qui kidnappe l'État. Je dis ya, ouais toute bagaille tête nèg dans pays à, mais pas gen moun qui peut parler pour. Dollar américain a grimpé monter, pas gen moun qui peut parler pour. Pas gen économiste qui a dit mettez le bagage qui a fait dans pays, pas gen rien. C'était seul Jovenel Moïse qui t'a défendu comme peuple. Malheureusement, nous pas gen comprendre et on fait nous manger avec bouche nous, yo même mal manger physiquement. Et mais je dis ya, zo poisson bon collé. Écoutez bien peuple haïtien. Gagner Met Mario Beauvoir ancien commissaire gouvernement quoi des bouquets. Gagné Pierre Espérance. Ça me dit nous l'attendel avec un pile intérêt. Moi m'a dit nous ça me coube bien bas pour m'mande nous raler tiches ba nous pour nous tendre kichoy. Pour arriver assassiner président Jovenel Moïse, t'es gagné une trajectoire qui t'est faite. Et c'est là m'bra arriver juste en République Dominicaine ensemble avec nous. Nous prendrons pas comprendre forcément avec nous à pied. Et ça comme dit sou pa gen cœur ou pa ka suivre Fobeto. Parce que nous prenons pas coup à pied là, sous qu'on a bouqué dans la route, sous qu'on a soif de l'eau capable de faire camper, sous qu'on a pas de conviction, pas de rapport avec là. Parce que la route nous prenons là, la peine juste la République Dominicaine, et ceci, son route à pied qui est à pied. Parce que c'est détail que nous prenons le baou, dans l'assassinat président PIA, pour nous faire connaître effectivement FBI déjà en République Dominicaine. Et c'est là-bas qu'elle a mélangé. N'a quitté l'argent pour tout le président, pas de route pas bois. Pas de route pas bois, pas de passer par quatre chemins. Pour te assassiner président, t'as une démarche qui t'est faite. Faut qu'on côté qui a commencé. Qui est-ce qui commence avec assassinat président? Démarche là. Peuple haïtien, novembre 2019. Si nous ne trompons pas, nous, 13 novembre 2019. L'opposition criminelle, l'opposition assassin, l'opposition gang, l'opposition kidnappeur, l'opposition méchant,
qui travaillent pour les oligarques corrompus. Yo préparé groupe bandi yo pour faire une attaque l'autre. Groupe bout de Jean-Jean, groupe Ti Junior quelqu'un dans la saline pété bataille dans la saline. Nèg ap goumen. Il y a plusieurs monde dans la population civile là qui prend cartouche. T'as bien ça que m'a dit nous là. Il y a plusieurs monde dans la population civile là qui prend cartouche. Nèg ap boule kay. Y a tué moun. Y a plusieurs moun qui mouri, y a plusieurs moun qui prend balle, kal mouri sou kaban l'hôpital. Peuple haïtien pour la vérité et pour l'histoire. La double ça a pété dans la saline. Qui est rapide vite. Groupe qui dans le secteur privé des affaires qui te commencé pas confortable avec le président Jovenel Moïse. Si nous pas tout pays, nous c'était décembre, alors novembre 2017 ou 18. C'est pour montrer nos côtés. Préparation assassinat fait. Pour nous rentrer. Pour côté ancien candidat à la présidence qui est très raciste, qui est impliqué dans le cadre de assassinat Jovenel Moïse là. Qui est impliqué dans l'assassinat. Et m'a dit nous FBI attendez monsieur parce que m'a dit nous clairement il y a trois monde que FBI pour attendre là à savoir Joseph Michel Matéli, Reginald Boulos et Dimitri Vob. Dit menti si nous capable c'est ouais yo ouais moi yo pas connaît moi c'est ouais yo ouais moi yo pas connaît moi c'est ouais yo ouais moi yo pas connaît moi c'est moi yo relé info et tout m'pa connait bay vague pas jamais bêtiser avec la vie monde dans pays d'Haïti encore. Pas jamais passer la vie noire dans bêtise encore. Ça fait toujours dit. Jou peuple ça casse chaîne. S'il pas tourne yon tigre, il tourne yon lion. Mais tout autant n'a bal misère, n'a fait le plus fort. N'a fait qu'on ait plus expérience dans vili. Mais c'est pas faute nous. Nous pral mande un très tôt, messieurs. Chien que les pit boule là, c'est lui même qui nous way. Peuple haïtien, nous t'a mal, n'a maltraité. N'a fait passer misère, n'a galopé, nous qui dans goût, dans grand goût, dans chômage, dans insécurité, c'est expérience que n'a fait le faire. Et ceci, tôt ou tard, l'a utilisé tout ça comme stratégie pour le défendre tête li, pour le combattre nous. Pas oublier sous plateforme Pola, qui c'est plateforme YouTube, il faut mettre toi. Partagez, commentez, like, abonnez, sous pourquoi abonner. Bandi fait attaque contre l'autre bandi. De moun ki nan population civile, malheureusement, comme d'habitude, tout, dans la saline, yon victime. Rapide, vite, de nan ki nan secteur privé, avec groupe politique sur le terrain, yon le Pierre Espérance du Pierre Espérance, nous besoin yon rapport. Rapide, vite, Pierre Espérance documenté avec équipe li, moun kap ekri pou li yo. Yon mette Jimmy Cherizier barbecue. Tande bien, oui, Jimmy Cherizier alias barbecue. Al fait massacre sous moun la saline pour président Jovenel Moïse. Pierre Espérance. Pierre Espérance. M'a dit nous ni deux, ni toi. Pierre Espérance produit un rapport. Soit disant qu'on massacre qui fait dans la saline. Avec madame, comment elle est moun finil là, yo le Marilyn Gilles. Yo produit propre rapport yo. Yo dit c'est Jimmy Cherizi barbecue. Kal font massacre dans la saline. Pour pouvoir en place là, qui c'était pouvoir Jovenel Moïse là. Eh bien, peuple haïtien, mais qui côté assassinat président Jovenel Moïse commencé? Vous prenez rapport ça, vous avez chita sous lit, vous avez développé propre stratégie, yo, et puis vous dit vous pral démarrer. T'as des bien peuple haïtien. Président Jovenel Moïse, qui peut tellement parler, qui était le président pour Pétuel à l'époque, n'a pas commencé à poser des actions contre le président. Même rapport ça, dans l'année 2019, là, nous, 18 février 2019.
D'après l'information que nous gagnons, il y a un commissaire gouvernement qui est le Gérald Norgues, qui contacte pas ancien commissaire gouvernement, M. Mario Beauvoir. Par le fait que un juge d'instruction pas capable d'auto-saisir un dossier, c'est commissaire gouvernement qui se met l'action publique, chef de la poursuite, c'est lui-même qui a saisi des dossiers, qui a mis l'action publique en mouvement, et qui a transféré des dossiers dans le cabinet d'instruction. Pour juge d'instruction, commencer avec instruction sur le dossier, mettre enquête sur le dossier, et puis faire suivi des dossiers. C'est bien pour montrer nous comment on a commencé tout Jovenel Moïse. Et c'est là qu'on comprend. C'est depuis 22 mois de campagne. Tu n'as pas de vle ouè Jovenel Moïse parce qu'elle tête liso, tu tête liso, vous comprenez, ils sont flègue des garçons, ils sont en province parce que depuis soutenir mon ou pas metto au service ou les gars corrompu pour pas te lever dans mi-temps yo pour t'ab jeter pipi pour yo pour t'ab faire barrière pour yo, yo pas faire confiance, yo pas respecto. Parce que yo di originou doit condamner en tant que nèg mon. Bon moi même moi fier parce que me son nèg en deyò. Me levan province, grandi, vin Port-au-Prince tout grand monde. Là m'a gardé ça, pas capable faire Port-au-Prince là, m pas capable vivre là-dedans, me retire comme là. Mal campé à distance, me dit me pral bataille, l'heure pour me rentrer Yo commencé préparer assassinat président Jovenel Moïse dans un soi-disant massacre dans la saline. Nèg yo pran rapport Pierre Espérance là. Mario Beauvoir qui est commissaire gouvernement qui saisit de dossier, qui transfère dossier dans cabinet d'instruction. Et bien justement, Mario Beauvoir accompagné de Maître André Michel, accompagné de Nenel Kassi, accompagné de John Joel Joseph. Et puis on prend deux tigres moun yo ta fait quoi que c'est des tigres moun qui est petit qui victime de massacre la saline nan. Grand moun sa yo soi-disant yo gen pour avocat yo Mario Beauvoir André Michel al pote plainte pour Jovenel Moïse dans cabinet d'instruction. Effectivement, juge d'instruction produit yon faux mandat. Et l'argent que ont offri juge lan, d'après toute information gon journaliste en Haïti qui gen détail ça tout. Yo offri jeep lan, yo machine blende. Et offri juge lan, $300,000 américain, plus yon visa pour l'aller dans le pays Canada. Ou bien s'il vle asile politique, yon pede jeune ni. Juge lan te marié avec un monde dans le pays Canada. Pour résidence, yon te vin kite. Ça veut dire juge lan te vin dans le pays d'Haïti, il te besoin pour l'entrer dans le pays Canada. $300,000 américain pour juge Jean-Roger Noël Sius. Pour te produire un faux mandat contre le président de la République en fonction, pas oublier, là nous du faux mandat. Le président en fonction, ou bien sénateur, un député, les gens qui ont immunité. Immunité qui couvre. OK? Immunité qui couvre. Comme président, ça, ou pas capable d'arrêter comme ça. Ou pas capable de mettre mandat d'amener derrière. Et mais président, s'il commet une action, il y a des preuves tangibles, il y a une flagrance, et mais c'est là où pral contacter la Chambre des députés. Justement, pour produire une action en accusation contre président, mettre le président en accusation. Mais pour faire c'est tout autre process encore. Faut la Chambre des députés, faut que vous êtes capable de joindre, ça nous capable de brûler. Deux tiers, ça veut dire que jeune quorum, jeune majorité pour yon mettre président en accusation. Donc, quand on a un pays d'Haïti, nèg yo remet ti kòb yo, président, même si président te fait ça, pas la vraie, li capable acheter ti groupe député yo. Li pa pi jam fait facile. Ou du moins, si c'est politique qui a fait, ou a vu nèg de secteur privé a acheter majorité a pour yon mettre président en accusation. C'est comme ça que lié. Et ça fait me dit nous, il y a des postes que nous devons éliminer dans le pays d'Haïti. Pour n'importe des autres pas faites. Bien que nous connaissons, nous pas capable président, yon champ libre tout pour le fonctionner. C'est important. Juge l'en produit un faux mandat. Parce que président en fonction, juge l'en, li pas besoin de provision légale
pour le mettre au mandat d'amener d'un président de la République qui est en fonction, qui est un ministre qui couvre. Malgré ça, juge l'a fait parce que c'est des actions illégales qu'a fait, sous opposition criminelle, assassin, gang, kidnappeur, justement qu'a fait des actes malhonnêtes dans la société. Jean-Roger Noël Sirius, actuellement la cap vive dans le pays Canada, l'irrivé parafé yon mandat d'amener non mouni metea Jovenel Moïse et le bas adresse kaye président qui se pèlerin 5. Ça que fait m'di nou jodi ya, juge sa met préparé parce que dans le cas d'enquête que FBI a mené pour FBI gade comment le tavaro te tete dans le cas de ça, pas que puisque l'ap néglige. Aïe, info beto à l'appareil. Bonne faut respirer, non, peu pas ici. Très bien, content, ensemble avec nous encore une fois. Partagez, commentez, like, abonnez, si nous pouvons abonner. Info beto. Écoutez bien, peu pas ici. Pas oublier, non, moun kem cité là, yo. Moi, dis nous, Pierre Espérance commence avec assassinat président à travers un rapport, soi-disant que le 10 Jovenel Moïse te voye fait massacre dans la saline. T'as bien, oui. Prétend Belizère, qui c'est Lavalas, kidnappeur criminel gang, qui était malheureusement député dans le troisième nan. L'allée dans des mog privés et mog l'hôpital général, yo volo plus pas son 50 cadavres. Yo lagé tout côté dans la saline nan, et puis yo vide bal sou yo. Et puis cochon a mangé cadavre sa yo. Et men yo invité Bini. Pour venir vin men enquête, vin constater ça qui passe en bas. Yo fait vidéo, fait photo, voye aller. Yo dit gen 53 moun qui assassiné dans cadre yon massacre qui te fait la saline. M'a répété encore. Gen Printemps Belizère avec équipe li qui rentre dans des morgues privées, qui gen des bandits qui ont été fichés dans la rue, morgue l'hôpital général, nèg yo ramasse cadavre al lagé sous la saline nan. Yo vide bal sou yo, yo dit c'est massacre. Que vous faites sur moun sa yo. Yo mette, pas bien, yo mette rad sur moun yo, et puis yo vide bal sou yo. Cochon a mangé cadavre sa yo tout glacé. Peuple haïtien, il faut mettre toi là. Nous président, nous exilé président, nous emprisonné président, mais nous avons président qui coquine en gauche nous. Ban gang, ban criminel, ban assassin, ban sans cœur, ban sans foi ni loi. Justement, j'ai que me dit nous, hein. Messieurs yo, organisez yo. Normalement, yo. Allez, côté juge qui s'en mis, pas oublier Jean-Roger, Noël Sirius, son qui était toujours a fait des complots, démagogie avec André Michel, c'était amis André Michel, Mario Beauvoir, c'est une coalition d'assassins, son coalition gang. Chiffre que nous jouons là, il a fait quoi que c'est $300,000 américains qui ont été offrés, monsieur, by monsieur même, et puis offrir la possibilité pour quitter le pays pour entrer dans le pays Canada. Et bien, monsieur, pas de fait back. Devant tout gros avantage sa yo, et bien monsieur, produit mandat. Un faux mandat. Un faux mandat. Moun ki ta le côté juge là, c'est Maître Mario Beauvoir, ancien commissaire gouvernement, Kwade Bouquet. Maître André Michel. Nenel Kassi. John Joel Joseph. Et bien là, nous fouillons zone Kalalou pour nous connaître qui est-ce qui est bay kop pour faire mandat. Yo fait nous connaître, c'est Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, Regina Boulos. Et Foberto, papa ici. Yo tué président. Yo exilé président. Yo emprisonné président. Yo empoisonné président. Et bien, yon président koke nan gauche yo. Je dis, c'est vérité seulement qu'a établi sous table là. 19 mois et quelques jours après. Tak ta din d'abrivé là. Ne pas te penser ça. Ne pas te penser que nous t'avons jamais arrivé dans le niveau sanivé là avec enquête là. Eh bien, compatriote point yo. Les gens qui ont mandat en main, appelez depuis qui le nom? Depuis 18 février 2019. 18 février 2019. Ils utilisent soit disant un massacre que Pierre Espérance dit, Jovenel Moïse te voye fait dans la saline qui c'est faux. Et ouais. Citoyen sa qui rele, Chile Ludor, te font déclaration. Dans une mission qui a participé dans Port-au-Prince, monsieur dit, massacre la saline, c'est l'opposition politique qui est responsable. C'est eux qui fait. Jovenel Moïse,
Jovenel Moïse. Jovenel Moïse. Où sont... Aïe, franchement, honnêtement, chaque fois que je dis bagay ça, les révoltés. Président Jovenel Moïse. Dans tout, ce soir, youtube, dans tout, attendez, tu obligé, Jean, yo ka fait lapide ou, yo fusillé ou, yo assassiné ou, yo exilé ou, mais c'est ça sa qui est réservé à président qui vient pour changer bagage. Bat. Président Jovenel Moïse, n'a pas continué bataille papa ici. Eh bien, le nègre qui mandat dans main yo, kounya la, faut que préparer l'opinion que Jovenel Moïse, c'est un fugitif qui est lié, la justice a cherché elle. Yo commencé avec campagne là. Média traditionnel a frappé. Radio Télé Zénith, Radio Pourissanti, Radio Mayas, dans la plaine, l'Uni, Femme Sale, dans la plaine, équipe petit volet, où Nicolas Mété, nos studios tous senti Mayas, dans la plaine, espace radio à Fola des côtés, cochon à baigner dans la boue, tellement espace la sale. Elle veut dire tout le monde en dedans, ouais, c'est des mouns sales que vous avez. Et quel que soit le monde qui choisit de parler dans le micro, Radio Télé Zénith sont mouns sales que vous avez. Parce que l'espace qu'on a parlé, c'est l'espace qui est plus sale dans le pays d'Haïti. Bâtiment que vous avez un studio, soit disant, on va parler dans le micro là, c'est bâtiment qui est plus sale dans le pays d'Haïti. Alors, si vous là, qui est là, oui, tout le monde dit, on était volant, espace là, ok? Eh bien, il a frappé, il a préparé l'opinion. Jovenel Moïse Gomanda contre lui. Mandat ça a marché. Travail pour préparer l'opinion. Il commence à faire exactement depuis côté mandat sié. Dimitri Vop distribue comme dans toute radio lio avec tout journaliste qui est au service lio dans Port-au-Prince pour préparer l'opinion. L'opposition politique là a ba conférence de presse tribo par bord. Jovenel Moïse pas jamais fait pièce réaction. Nèg a menacé la vie président, chef d'état pas jamais mettre l'état en branle contre moun sa k'ap menacé le chef d'état. Jovenel Moïse malheureusement pas de gagner monde qui était solide bon côté pour dire président faut prendre décision drastique contre moun yo et quelque part gagner monde soit disant qui dit yo dit qui était président conseil sur ça président dit mail pas toucher sang faut président Jovenel Moïse te connaît que le ou un groupe moun k'ap menacer l'état mais justement faut que chef d'état prend décision dans non l'état pour éradiquer moun ça là ça c'est pas ou même en tant que moun qui vide moun ça à terre c'est l'état qui éradique qui met de l'eau dans du moun ça OK pour moun ça suspendre faire pression sur l'état menacer l'état suspendre faire complot sous l'état contre l'état d'abord et mais justement travail pour préparer l'opinion hein? li fait l'a frappé nèg vin passer avec ça nous capable brûler Payloc. Manifestation Payloc. 2019-2020. Nega ploc pays. Barricade se avni. Campé de barricadou. Tout zam légal. Tout moun ki vle aider l'opposition politique là. L'opposition politique grave douen. Souhaite nous bienvenue. Evalia bon plan. Annoncer qu'elle pourrait vider l'huile dans toute tête mon yo. Effectivement, elle vide l'huile dans toute tête mon. Dans le canapé vers machine faccident. Sous bout de machine faccident. Tout côté, sous nason, l'huile a vidé. Sous aéroport, machine faccident. Sous tête mon Delma 33. Tête mon 75, bon Wilson jeudi. L'huile a vidé, machine faccident. Et valia beau plan. Ancien sénateur nord-ouest, la caille président Jovenel Moïse. Et valia beau plan. Monsieur font tweet. Là, nous en novembre 2019. Monsieur fait appel avec tout groupe armé dans le pays. Il dit depuis nous voulons aider l'opposition bataille contre le président Jovenel Moïse,
toutes armes légales rentrer dans bataille. Mandat toujours là à couver. Mandat toujours là à couver. Nèg vin travers en 2020. Bip. Tout secteur gang que nèg te fait appel ensemble avec yo que yo fait connait que automatiquement yo prend pouvoir yo pral ba yo amnistie, tout nèg pral légal, tout sauf que en nous font bataille contre Jovenel Moïse. Eh bien, plusieurs groupes gang dans le pays te répondent. Plusieurs groupes armés dans le pays te répondent. Seul groupe qui pas te répond, c'était groupe Genève Barbecue de Vincrié. Eh bien, nous dit, définitivement, Genève a travaillé pour pouvoir. Original Boulos voit 10 000 américains par Anel Belize by Jimmy Cherise Barbecue. Barbecue prend comme là, il n'y pas bataille pour Boulos. L'opposition politique a voué gros l'argent par Barbecue. Pour Barbecue, il y a possibilité pour craser Badelma. Barbecue pas la possibilité. Jovenel Moïse te pour aller zone pont rouge, déblosaille pété nèg tiré. Barbecue pas la possibilité pour craser en bas. Nèg dit définitivement Barbecue a travail pour normalement et pouvoir. Eh bien, nèg joine support tout bandit dans zone métropolitaine nan. Sakte manke zam, yo ba o zam tout neuf. Sakte manke munition, yo ba o munition en quantité. Sakte besoin l'argent, yo ba o l'argent. Barricade a frappé, nèg zam a distribué. Groupe de chef de gang a placé dans tout quartier. Contre le barricade nous, veille barricade nous, c'est lui qui a venu nous, c'est lui qui demain nous, meilleur nous, c'est lui qui a porté nous dans le chômage, c'est lui qui va le payer en sécurité, c'est lui qui va le faciliter au voyer petit de l'école avec facilité, c'est lui qui va le faciliter au toucher bien dans l'état dans le pays. T'es content, des radios télé Zenit a frappé fort. Négocie avec vite l'homme, t'es un pile soldat qui est dans le domaine terre ce mavel, vite l'homme vient commencer à investir l'argent. Achete zam, nèg ba vite l'homme katouche, vite l'homme dit ok, nous jwenn entente, nèg yo te ofri vite l'homme, yo a bali magistrat tabar nan place Anne, ni Simon. Vite l'homme, te gen de l'autre gros poste ki yo te ofri l. Yo te fè l konnen ke directeur général, ministère de l'intérieur, y ap mete l de konsey ensemble avec l. Plus, c'est vite l'homme kap gen mairie tabar nan men. L'on a dit vite l'homme ap gen mairie tabar. Mais il y a un bon service domaine qui règle le dossier terre. Vite l'homme a fait un dossier terre dans la commune tabac, ça veut dire exactement ce qu'il veut dire. Vite l'homme a accepté, compromis en fait, vite l'homme rentré dans la bataille. Vite l'homme bloqué tabac plat, barricade c'est avenir dans ton sel, en face pas du souvenir, pas de possibilité pour mon traverser. Zam à la main, barricade 17 ou te caoutchou a boulé 24 heures sur 24. Moun. Sous besoin de l'ambassade américaine, seule route qu'on a passé, on a passé par Vivi Mitchell, pour aller tomber dans la tête de Vivi Mitchell, descendre Kara 2 et pour aller tomber exactement pour AVCT pour entrer en ambassade américaine. Vite l'homme même arrivé même tout près au AVCT, à bouler caoutchouc. Zone son auto, vite l'homme contrôler ça. Zone El Shaddai, vite l'homme contrôler ça. Toute zone en bas, vite l'homme contrôler ça. Zone Ediwan, vite l'homme contrôler ça. Barricade, c'est avenir. Et bien normalement, nèg a pas avancé. Nèg a frappé. Nous toujours en 2020. N'a pas avancé. L'opposition politique là, et la famille Vob, Dimitri Vob, Jean-Marie Vob, la Valas, yo dit mandat pral exécuté le 7 février 2021. Ça aime bien. Mandat pral exécuté le 7 février 2021. Pas oublié. 6-7 juillet 2018, Jovenel Moïse était marqué pour un coup d'État. Ça fait le pas de prendre là. Vraiment pas qu'on ait raison. Mais sauf que, il était marqué pour un coup d'État. Parce que, tout nèg qui n'a groupe Voblan, Lavalas, te getan à beau fri. Michael Gédéon, de gros
privilège de gros avantage pour Gédéon et de yon prend parler national. Parce que si 7 juillet, Jovenel Moïse était tombé pour moi, ça m'a gardé dans la rue de Brésil après match Brésil que président Jovenel Moïse mette 15 gouttes sous gaz là, 15 piastres sous gaz là. Pays a été éclaté sous Jovenel Moïse. Pays a été éclaté. Je t'ai constaté. Je sorti d'Elma 91 pour me descendre. Ça me vive. Je vais me dire dans la vie pour me jamais vivre bagay ça encore. Côté que, depuis que je n'ai pas eu ou en mode mouvement lock, mouvement bloqué la rue, je suis prêt pour me mettre au caoutchouc dans la tête pour le boulot. Je songe tout pour l'ambassade ambassade Canada dans 48, dans la 48. Je descends. Bien rapide. Ou équipe jeune garçon qui dit oh, connais monsieur Balla. Parce que vous n'avez pas souffert mouvement, vous avez sauvé mouillé. Je dis, pourquoi vous tuez ça? Je pour moi-même qui râle en caoutchouc, je ne vais pas négo. Elle dit, ne vous pas en mode boule caoutchouc, ne vous pas en mode bloqué pays. Il y a boulot ou même. Quand il y a la moins stratégie, comment lier, chaque côté m'y vient pour poser baisser ma propre bagaille. Pour me capable de chaper pour le moins. Je dis, well, vive d'où le ça. Et le ça, pas oublié. Il y a environ 5 heures, presque 6 heures. Delma tout noir. Tout noir. L'homme arrivé Delma 32. Je pas à côté de bras passé. Je pas à côté de bras passé. Je suis obligé de faire bac. Je traversé notre route Piro. Qui a le mettre moi. Tout près pas Midori. Delma 33. Traversé. Tombé dans 31. Traversé, je tombé dans Delma 19. Moi vive yon moment dû dans Port-au-Prince là. Moi vive ça. La map di nom 6-7 juillet 2018, nous songe ça. Le Jovenel Moïse mette 15 piastres sous gaz là. Et mais pour tourner en 2020, l'opposition politique a fait une grosse menace. Nèg avec femme qui dans la presse prend la rue. Il a fait des gros déclarations. Nèg met ton kidnapping sous pied. Et puis bim, il met ton fantôme 69 sous pied. Mais qui côté kidnapping politique va commencer. Nèg a kidnappé moun sans camper dans Port-au-Prince. Ils ont tiré la pli le mensonge ou vite l'homme. Nèg a kidnappé moun dans pays a. Jovenel Moïse était au courant. Jovenel Moïse m'a dit pour la police, la justice fait travail. Mais Jovenel Moïse pas pensé sur kidnapping police qui va arriver sous, qui va l'aboutir avec assassinat. Fantôme 69 opérationnel dans toute la rue de Port-au-Prince. Grand objectif, c'est arriver dans Pèlerin 5 à vide de balle sous Jovenel Moïse. Jovenel Moïse arrive traverser 2020. Il est tombé en janvier 2021. Complot pour assassiner le président dans la ville de Petit Bois a commencé. En novembre 2020, Marius Gauthier a fait coordination. Mandat ça n'était pas là. Mandat ça, moun yo djou que mandat ça al prend force dans le département d'État américain aux États-Unis d'Amérique. Mario Beauvoir écrit ambassade américaine, li djou l'écrit ambassade américaine. Pour informer au okay, gon mandat d'amener contre président Jovenel Moïse qui a exécuté 7 février 2021. Aïe. Ça comme question était point. Me dit est-ce que Jovenel Moïse t'a quelque décision que t'a prend qui parle à l'encontre de en faveur de gros pays sa yo qui fait que yo t'a tué yo sous assassinat parce que yo pas capable au courant de assassinat responsable compagnie City yo t'es débarqué dans pays d'Haïti et on fait connait quel t'a l'ambassade américaine pour les former quelqu'un projet après des pages Jovenel Moïse pour le développer pays d'Haïti. C'est des gros bagailles. Pourquoi faire nous t'aider mettre Newton tout à l'heure comme ça? C'est des gros bagailles. Est-ce que nous comprenons? C'est des gros bagailles. Mais normalement, tout sort viré, tout côté viré retourné, ou jouer nos départements d'État, ou jouer nos FBI, nous utiliser dans ça. Et ça cause, me dit nous que la justice américaine, qui intérêt, qui obligation,
pour faire lumière dans cadre dossier ça pour tout côté non moun sa yo. Alors moun sa qui n'a pas d'Haïti qui t'a utilisé non département d'état dit tel bagage là pour que vérité établi faut que États-Unis d'Amérique lave visage li dans cadre dossier ça faut que administration Biden non lave visage li dans cadre dossier parce que dossier a li plus compliqué et compliqué va me respirer ce soir yo tout yo dans tout hier attendez il y a toujours plusieurs gens yo ka fait lapider yo fusiller yo assassiner yo exiler mais c'est ça ça qui réservé à président qui vient pour changer bagage bataille avec système pesé sur c'est ça son bataille c'est un coup c'est Jean dans la Bible nous c'est David qui a goma Goliath si bon Dieu va dire à toi par eux son bataille que peuple a perdu d'avance nous dit nous ça et nous même si nous pas ouvert genou ouvert oreilles nous pour nous comprendre parfois quantité mensonge faux prophète à bay dans radio et télévision ici pour nous dans qui trou que on prend mener nous comment pour nous ta sortir nous choisir un monde qui saute dans mitan nous voter et puis jodi a nous garder nous monde ça c'est les grand diable nous pas dire poser tête nous question sur ça système pesé sous c'est à diaboliser on grande raison parce que me vinn di bagaille pas ka continuer fait même gens encore c'est pour seul ça parce que me rivé en dedans banque nationale crédit me prend 3 millions de dollars pour prêter nous est-ce que nous te moun dan kou nous te prêter 3 millions de dollars dans BNC yo t'a demandé nous Baptiste Desalines Christophe Toussaint Capois nous même là même dans rêve président paysan qui c'est président Jovenel Moïse qui n'a eu assassiné. Et bien normalement, chacun me dit nous, hein? Jovenel Moïse, après toute calamité, douleur, il réussit à traverser 2020. Là, nous sommes en janvier 2021. Complot passé par là. Réunion passé par là. Secteur politique divisé sous choix pour choisir pour un juge vient devenir président provisoire de la République 7 février 2021. Moïse Jean-Charles qui t'a posé la patte sous tête juge Wendell Coctello et juge l'a accepté. Juge l'a accepté. André Michel Youri la tortue. Équipe SDPA, yo pa nan madame Wendell Coctello. Youri di André Michel. Mette M. Jean-Louis, juge qui pense dans le système, dans le Sénat Gonaïve Kelye, m'go facilite pour m'pala petit li, et m'ap kapala vel, m'ap kap konvek li. André Michel, qui te camarade de combat, yu la tortue à l'époque, et bien André Michel accepté. Yo chute avec petit M. Jean-Louis, eh bien, monsieur Jean-Louis, pas de pas besoin de bailler mol parce qu'il n'a pas de lucidité, comme on n'a pas en forme. Petit, tu es d'accord. Youri avec André Michel, yon président par yon dans la cour de cassation. Les verbes disent clairement, yon même fok yon président par yon tout. Yon voyez dans le cassis, al prenne yon dans Nip même Javel, qui est le Ivikel d'Abrésil, peuple haïtien. Mes amis, si nous comptons émission ça, partagez tout côté sur WhatsApp, partagez tout côté et puis abonnez avec plateforme non si nous beaucoup abonné. Intéressant. Qu'il y a trois juges dans cour de cassation qui étaient dans cour d'état là. Trois juges dans cour de cassation. C'est grave oui, c'est extrêmement grave oui. Chaque groupement politique gon juge dans cour de cassation. Chaque groupement voit yon criminel, gang assassin, Syrie, Libanais, Palestinien, qui ont le oligarchie gang nan, yon chaque campé de yon groupe politique qui gon juge dans la cour de cassation. Moi, je chal gen groupe pal. Yon la toti gen groupe pal. André Michel. Nenel Kassi, et consort, gen groupe pa yon.
Mais groupe Panel Kassia, c'est groupe pas la Valasla, c'est groupe pas la famille Vobla. Groupe pas Youi La Tortilla, c'est groupe pas Regina Boulosla, c'est groupe pas on s'est donné qui dans le secteur privé. Madame Kok qui pour moi Jean Charles, plusieurs autres nèg viennent sentir que il y a plus confortable avec madame Kok là parce que son femme. Il se dit plus monde en vie. Bon côté moi Jean Charles. Moi Jean Charles pas quitter madame Kok Chita encore. C'est pour madame Kok descendre dans tabac 70 là. Chita avec vite l'homme innocent planifier comment 7 février n'a pied. Comment 7 février n'a pied. Eh ben nèg va bio qui plus pressé. Yo même yo fait coordination avec Dimitri Raj la guerre civile et Amazon dans palais national pour ba au palais pour arrêter président pour te bayo. Yo rete ba Dimitri Raj mandat tout bagay. Yo di mandat tal prend force dans département d'état mandat yo ambassade américaine pral vini installation après ambassade américaine ambassade de France ambassade Canada. Ça veut dire que tout le monde ouais c'est monde ça qui gon longueur d'avance sur tout l'autre groupe yo. Alors, discours, nouveau président provisoire qui c'est Yves Kelta Brésil qui est préparé dans Katabli. Comme l'équipe a le prêté à 8 du matin, dans le palais national, le fin départ à bout de Pabou Jovenel Moïse dans la Petit Bois. Pas oublier, c'est même rapport Pierre Espérance qui allait faire un commissaire gouvernement qui est le Gérald Norgues saisi de l'OCA. Mario Beauvoir comme avocat descend dans le cabinet de succion avec André Michel Nel Kassi et John Joel Joseph. Il y a le côté juge par qui les gens au Genouel CIS pour faire un mandat d'amener contre président Jovenel Moïse. Il y a un faux mandat. Mais ce mandat, ça, il y a dit qu'il prend force dans le département d'État. Il y a un blanc, nous l'avons cité très très fort, qui est Daniel Whitman, qui nous l'avons cité très fort en 2021 dans le cadre d'État ça. Ça veut dire qu'il faut blanc ça, il faut que nous connaissions qui blanc ça est dans le département d'État. Et ce blanc qui est attaché avec la famille Vob, blanc ça ses amis, Lavalas, Aristide, il faut que nous connaissions qui blanc ça est. Ben respire encore une fois, peuple haïtien. C'est important. Ce soir, vous avez fait lapider. Yo fusillé, yo assassiné, yo exilé, mais c'est ça ça qui est réservé. C'est président Jovenel Moïse encore une fois. Amen, groupe yo bataille. André Michel qui était au courant de coup Nel Kassia qui s'est cavalier Paul Cal. Yo au courant de coup Nel Kassia qui s'est cavalier Paul Cal, sauf que yo même yo tout a géré coup pa yo. Parce que yo besoin pour parler national d'assaut. Mateli pas d'accord coup d'état 7 février 2021. Parce que Mateli pas pensé que Jovenel Moïse pas vienne joindre ni. Mateli fait Dimitri Era dit président Jovenel Moïse prépare ce coup d'état. Jovenel Moïse bail l'autre parle décision par lui-même c'est arrestation. Mais Dimitri Era lui-même c'était assassinat. Dimitri Era t'a assassiné tout le monde. Et moi-même, t'as dit, il a raison. Et c'est l'État qui t'a engagé, frappe ça. Je vais responsabiliser Dimitri Ra. Et je sur ça. Depuis 4 heures du matin, 3-4 heures du matin, l'équipe IGPN qui t'a débarqué dans le village Petit Bois. Mette Mario Beauvoir, pète couille, t'as qu'on floune. J'ai traversé, j'ai dit même tête, même dos, il s'est chiré dans Babélé. Jusqu'à quand je parle avec nous là, l'état important pour nous ta ouais Mario Beauvoir pour nous ta cicatrice qui sous l'yo parce que yo dit monsieur blessé dans Babélé, monsieur pété courir. Dimitri a pas tiré monsieur, mais il était supposé péter bagage sur monsieur. Et normal, il était supposé péter bagage sur monsieur. Et c'est supposé péter bagage sur monsieur pendant ça pour courir. Yo prend Marius Gauthier. Yo prend Yves Kelta Brésil qui était supposé tout mettre bagage dans monsieur. Il va t'appeler encore, c'est normal. Malgré que tu pas t'appeler encore, tout c'est normal. Bah, l'État t'a fait violence sur nous. L'État, c'est lui-même qui est monopole de la violence légitime. Non. L'homme menace l'État, l'État est supposé traquer où dans la dernière dimension. Jovenel Moïse, malheureusement, comme un bébé
qui a décidé de faire bataille en douceur avec monsieur yo, en bataille dialectique. Eh bien, Jovenel Moïse m'a dit c'est arrêté pour arrêter mon yo, avili yo. Jovenel Moïse pour qu'on ne bagaille là. Eh bien, ça qui passe, papa ici, on forme arrestation faite. Il met mon yo dans prison quoi de bouquet. Tout média traditionnel a levé, dit pas un coup d'état. Tout analyste politique, tout le monde qui a fait commentaire dans l'actualité politique, on a vu des verres, dans le pays d'Haïti, journaliste, quand il y a nouvelle, il a dit pas un coup d'état. Tout le monde vient analyser, analyste politique, il a analysé. Si tu as un coup d'état, pas de petit monde, pas de petit grand monde, pas de green monde, pas de commando, pas de paquet de zame, mon paquet de zame, c'est Dimitri Raktab Baili. Il a fait barrer la passe comme un jouet dans l'opinion. 30 jours, passe moun yo libéré. Yo a été moun yo 7 février, moun yo libéré en mars 2021, c'est une badrompine. Marius Gauthier dans la rue. Il est dans la police pirède. Inspectrice de la police nationale d'Haïti. Dimitri Ra prend confiance président Jovenel Moïse. À partir de l'action ça. Premier côté Dimitri Ra pour le tester. Pour le si président. Faire confiance pour tout bon, pardon. Dimitri Ra qui te qu'on a fait kidnapping sous Delma parce que Jovenel Moïse te gagné de kidnapper dans dol dans national et que le pas au courant. Et c'est ça pour nous connaître. Te gagné bon monde dans parler mais comme ça tout parler en vaille avec mauvais monde. Te gen pile nèg k ap fè trafik zam ki nan palais national, OK? Plusieurs moun yo nan kidnapping tout. Yo t'ap travay deux concerts avec ISO 5 secondes. Premier côté Dimitri après le tester pour le président Jovenel Moïse fait confiance et que soit disant le font sacrifice pour président, il pral chercher bénéfice pour sacrifice li. Li font auto kidnapping sous madame ni. Li font auto kidnapping sous maman petite li. Li fait déposer madame ni dans village de Dieu. Monsieur c'est bien dans piscine, ba madame dans piscine pour le bien pour plaisir li, ka l'école dans piscine en bas, on jamais Dieu Dimitri voye ti photo ba Dimitri Ra, ils ont pas touché, il mettait musique pour madame, madame n'a mangé cabrit, grillé en bas, et tasso ba ti ragout, madame n'a bien vive bon la mer. Et puis l'autre monde a prêté à kidnapper l'autre monde pour tout bon. Madame Martin Moïse comme maman bon cœur. Mande Dimitri Ra t'as dit arrêtez madame dans sac fait dans dossier Dimitri a dit première combien mandé à moi même pas rien comme ça m'bar ça me café première dame nan mandé Dimitri a combien cob que yo mandé ou Dimitri a répété première dame nan li dit yo mandé $300,000 $350,000 américains plus environ 1,500,000 goud encore ça c'est un goud que le besoin pour le bâtir monsieur village mais lui besoin dollar madame Martin Moïse comme maman Walker li bay Dimitri Ra l'argent $350,000 américains plus goud lan parce que Dimitri li dit Dimitri Ra te rend yo service li pa ka kite madame nan mouri et son femme même Javel. C'est dans la presse oui madame Martin Moïse pral tande que madame Dimitri Ra font déclaration li dit monsieur bien traité m yo bien traité m yo libéré m sans yon goud sans 5 cop péniche il dit mari m dit mil papa un dollar mari m dit mil papa un dollar Martin Moïse même comme moun qui pas comprendre rien il pas supposé le faire al mande monsieur explication il veut faire mener une enquête ou dit monsieur arrêter Dimitri Ra pardon mais premièrement de reler Dimitri Ra dans téléphone. Il dit Dimitri, avant m'tande madame nan dit c'est son goud qui libéré. Et ben faut ta tourner m'cob laï. Mais qui côté que le président ça la gèt trahi net parti groupe gang ça qui nan palè a. Qui gen zam nan men. Et ben c'est là tout. Que le président ça la pral prend décision pour que yo pas rentrer yo pas descendre nan palè encore. Yo pas descendre nan palè encore. Jovenel Moïse a pressé moun la kayli. Toute rencontre la kayli, toute négociation politique la kayli, tout chita parler la kayli. Eh bien, deuxième vague complot pour assassiner le président, qui n'est pas cherché, mais c'est un Colombien, il vient après monter. Pasteur ça, nous débarquons dans le pays d'Haïti avec plusieurs Colombiens, en comprenant qu'il a vint pour pouvoir. Le nègre arrive en bas, yo, pasteur ça, nous n'avons pas gagné
capacité ça. Monsieur pas gagné une popularité même. Il dit pas une crasse légitimité populaire pour aider monsieur faire coup d'état. Eh ben rapide vite Dimitri Vob récupérer mercenaires colombiens dans même monsieur. Regina Boulos récupérer yo. Nèg yo rapide vite, yo prend et garder ça non ouel en bas pour compte li. Ça nous vinn obligé vinn à faire coordination avec l'autre monsieur yo. On n'a pas qu'à président encore. Nèg a préparé assassinat. John Joel Joseph, seul représentant direct Dimitri Vob dans la Coupe d'Haïti dans cas d'assassinat. Bien oui, John Joel Joseph, c'est représentant direct Dimitri Vob dans cas d'assassinat président Jovenel Moïse là sur le terrain. Eh bien, pour Dimitri Vob, pour Dimitri, alors, pour John Joel Joseph vient par rapport et prend commande nan men Dimitri Vob, faut qu'il déplace. John Joel Joseph obligé de déplacer avec Paul Denis, il a rencontré avec Dimitri Vob dans Floride, en Florida. Alors Miami Florida. Et ça m'a dit nous, FBI, mais l'enquête, la prend tout détail ça yo. Faut que FBI joue un détail. Combien de fois John Joel Joseph rencontré avec Dimitri Vob en Floride pour te planifier assassinat président Jovenel Moïse. Faut FBI joue une explication, joue un détail, parce que John Joel Joseph a dit lui, combien de fois que Paul Denis t'est rencontré avec Dimitri Vob en Floride avant que tu t'es rencontré avec responsable compagnie City yo. Ça c'est Dimitri, ça c'est John Joel Joseph qui pour nous explication ça au peuple haïtien. C'est pas Jouette qui est là. C'est pas Jouette qui est là. C'est dossier assassinat président qui n'a pas traité. Parce que plusieurs rencontres faites en Floride, toute planification faite, 80% planification assassinat président li fait en Floride, Dimitri va habiter en Floride, faut que nous comprenions le dossier bien. 20 millions de dollars américains transités par la banque dominicaine, que nous voulons attendre avec Mathieu Ton Saint-Just. Faut que nous jouions une explication. Pour me tourner avec plus de détails, n'a pas de comprendre mieux avec Maître Newton Saint-Just qui sont monde qui fouillé en pile dans cadre dossier ça qui mène bon genre enquête qui gagne des bons détails. Et bien justement en nous tendez Maître Newton Saint-Just qui était dans micro et madame Marie-Lucie Bonhomme entendez d'abord faut nous dire que nous prenons note de ça et ceci sans euphorie aucune et nous reconnaître tout que arrestation ça ou bien pas ça franchi hein li t'a dit porter yon ti bémol li mette li fait la petit bémol là et position nous yon élément position nous à savoir nous dire que la communauté internationale en général et les États-Unis l'administration Biden en particulier doit clarifier position yo sur assassinat et à ce président Jovenel Moïse, parce que nous connaissons que Akanjel Prekel Ortiz, c'est lui-même qui était chargé pour aller recruter criminels colombiens et lui qui travaille dans l'armée colombienne comme haut gradé et qui était responsable de formation dans l'armée ça, qui donc a travaillé en même temps pour dire FBI était un agent service intelligence et États-Unis. Là, nous prenons Antonio Triago, qui est propriétaire CTO, qui est Counter Terrorist Unit, qui lui-même était en Haïti environ deux semaines avant l'assassinat de Jovenel Moïse. Là. Et il était même allé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Et puis Walter Bentimia lui-même, qui est responsable Worldwide Capital Lending Group, c'est lui qui a financé l'opération Zayo, le groupement Zayo, sous prétexte que le Jovenel Moïse passe pour voir encore l'abjoint au contrat et le pral permettre d'exécuter des projets dans le pays pour développer le pays. Maintenant, ne pas oublier tout que le criminel qui est arrivé dans la cour de Jovenel Moïse, il a dit que c'est une opération d'IE. Donc,
administration américaine doué la réfigure dans bagage ça lui doué clarifier position ça c'est un cas mais cependant nous gagnons encore des réserves parce que depuis le 28 avril 2021 lorsque la justice ou encore le gouvernement américain a choisi demander au tribunal là pour appliquer une loi appelée le CIPS qui c'est Classified Information Procedure Act qui dit que gagnons somme d'informations, somme documents que yo pas jamais rendre public même à la défense parce que yo concerné la sécurité intérieure des États-Unis. Donc et évolution ça c'est un premier pas pour que l'administration américaine clarifie position parce que faut pas oublier que Arcangel Pretel qui est toujours à travailler pour le service secret américain pendant l'assassinat. Donc, on ne peut pas dire que c'est vous qui êtes vous. Mais c'est un bagage qui est important pour l'administration américaine non? Et la réfigure. Maintenant, sans attendre, sans véritablement besoin, c'est la vérité. Sans attendre par là, c'est que nous devons connaître, ou bien enquête ça, que en Haïti, que aux États-Unis, l'idée déboucher sous identité, sous arrestation, sous jugement des auteurs intellectuels de cet assassinat, nous voulons dire qui était financé en Haïti et aux États-Unis. Et on a profité de l'espace à Mme Baudon pour nous rappeler à la justice américaine, certainement nous qu'on l'a fait. Parce que Nata Arcangel Pretel, Ortiz, Antonio Antiliago et Walter Antiliac, nous avons même écrit au ministère de la Justice aux États-Unis pour nous attirer l'attention sous gravité criminelle possible ouais, participation de citoyens américains et surtout des mondes qui travaillent pour eux. Et puis, il y a un citoyen américain qui est d'origine haïtienne, qui est le Bob Balthazar. Une grosse explication pour le bail et dans le crime. Monsieur travaille pour le département d'État pendant plus que 20 ans. Il était par exemple du mandat du président Bill Clinton. Il était entré en Haïti sous règne général à la torture avec un paquet de limité au chef. Donc, ils sont des gens qui connaissent plus ou moins même, très bien le paysage politique et haïtien. Non, eh bien, après assassinat, certainement, criminel était arrivé à assassiner Jovenel Moïse, mais le bagarre la marée pour lui, Vincent, que nous connaissons d'ailleurs, il était relé et Bob Balthazar, qui est aux États-Unis, pour aider lui à sortir dans sa rue parce que Vincent a toujours dit que Bob Balthazar, c'est patron. Donc, c'est un citoyen, en plus, c'est déjà une bataille que nous allons mener. Pour que vous tendez Bob Balthazar pour dire qu'il rapporte gagné avec le petit rôle que vous jouez, parce que Fon Tabriel, ce crime a été planifié en janvier 2021 aux États-Unis. Et il est capable de remonter jusqu'en 2019, lorsque le magistrat Noël Sius, par contre, sinon ça dit un bagage, a été émettre un mandat d'arrêt, un mandat d'amener contre Jovenel Moïse. Et alors que Jovenel Moïse était un domicile connu, et ce mandat, ça, que j'ai utilisé le 7 février 2021, dans ça, l'Américain était capable de faire un dress rehearsal, c'est une répétition générale pour te préparer à ça. Ça veut dire que tout le monde qui était impliqué dans la question du mandat, ça, parce que nous avons un document, côté que le président CSPJ à l'époque a écrit. Et du Tekana, tribunal premier instance pour le Conseil de sécurité et qui connaît véracité et mandat ça, eh bien, ça te répond que effectivement, bon dossier, le Sénatacre et la Saline, mais il n'est pas capable d'y en rien sous véracité mandat ça. Ça veut dire que si on n'a pas préparé depuis en 2019, et tout le monde qui était dans la mise en scène, dans la préparation depuis 2019, ils ont déjà parti de l'enquête-là sur les États-Unis. Est-ce que vous dites que
te gon bagay qui t'a passé véritablement dans petit bois et ça que c'est même mandat ça que si you l'on prend avocat si you je dis que yo te joindre un contrat pour venir un contrat de sécurité pour qu'il y sécurité en Haïti et pour venir arrêter yo gros braqué yo gros mandat pour ça et de ce même mandat on a parlé à qui t'est servi dans l'histoire et qui servit à l'assassinat Jovenel Moïse. Et donc, les gens, ils ont crié, et quand vous prenez une explication pour l'âge, donc, c'est un assassinat. Et pour nous dire mieux, c'est une vérité dans l'esprit de justice américaine, de justice haïtienne, nous, parce que, faut ne pas oublier que le rapport d'enquête qui devant juge Wessel Voltaire en Haïti, c'est il y a des CSPJ, même des investigateurs colombiens qui devinent faire tout ça, et ils ont dit que ils concluent que c'était un état que les gens étaient natifs pour faire, et puis à la dernière minute, ils ont transformé en assassinat. Donc c'est même version ça que la justice haïtienne et la justice américaine et ils ont gagné. Et dans l'enquête de CSPJ, ils ont fait mention, bien entendu, de Noël Sirius, de Mansassa, qui était joué pour rôle dans l'assassinat. Et magistrat, ça, Noël Sirius, ça, côté le passé. Après mandat, c'est ceux qui étaient payés à le Canada, donc, quelque chose qu'on est derrière. Et c'est un homme qui trouve à dedans. Il a dit qu'il connaît l'excuse aux ordres, qu'il n'est pas besoin. Et donc, pour une belle explication, sous qui rôle que l'était joué, effectivement, en préparation. Est-ce que, c'est-à-dire dans le cadre d'enquête là, bon, on dit enquête à fait en Haïti, est-ce que vous même piste ça, ça fait par rapport à l'information que vous gagnez et sous et dossier, est-ce que vous exploitez? Bon, pas qu'on ait qui méthodologie. Juge d'instruction en Haïti, magistrat Voltaire, et mais ça qui est sûr, dans la conversation que j'ai gagné avec l'autre monde aux États-Unis qui est impliqué dans le dossier, son piste que il n'a pas négligé, et il y a PCI, ouais, et tout le monde qui jouait un rôle, et dans le dossier, et c'est à suivre point de presse que le procureur McKenzie est à pas hier dans Miami. Il dit qu'on y a là, il pral pencher yo sous financement. Et que non, il pral porter l'autre charge contre l'autre monde. Et l'un connaît qu'il y a des mondes qui débaillent l'argent. Il y a des l'argent pour l'État, de l'argent qui est passé dans des banques en Haïti, qui a joué un site. Moi, songez au mois de juin avant l'assassinat, ça, c'est qu'il y a 700 000 dollars américains qui a joué un site. Et ça, pour nous comprendre, à la première. 700 000 dollars américains, ça que M. Newton répétait à qui m'a proposé pour nous. C'est de Reginald Boulos, effectivement, qui était voué comme ça, l'autre bord. Et Boulos, vous m'avez posé au garçon, vous m'avez posé, nous tuer le président, nous pensons qu'il n'a pas à l'aise, mais pays a là, 19 mois. 19 mois. En pile jour, nous pas qu'à l'aise. Nous pas qu'à l'aise. Entendez M. Newton. Qui jouait un rôle. Et c'est à suivre point de presse que le procureur McKenzie est à pas hier dans Miami. Il dit qu'on y a là, il pral pencher yo sous financement. Et que non, il pral porter l'autre charge contre l'autre monde. Et l'un connaît qu'il y a des mondes qui débaillent l'argent. Il y a des débaillent l'argent pour l'État, de l'argent qui est passé dans des banques en Haïti, qui a joué un site. Moi, songez au mois de juin avant l'assassinat, ça, c'est environ 700 000 dollars américains qui a joué un CTO. Et ça, pour nous comprendre à la première, c'est que mon CTO, ça a parlé, c'est. Alors, c'est deux CTO. Bien, il y a une branche à Kanja Pritel d'être dirigée. Et puis, il y a l'autre que Antonio Thiago d'être dirigé, au fond seul, dans le cadre d'opération, ça. Mais c'est des gens qui étaient en faillite. Par exemple, à Kanja Pritel Ortiz, c'est prêté, j'ai prêté une adresse dans le monde pour le loger CTO à quelques mois avant que nous, c'est-à-dire que son ami qui a un bureau, tellement monsieur pas capable de payer, et il a des dettes, tout,
était la justice, et parce que c'est des peuples que le bac a payé. Et bien, et c'est prétendu que prétendu à ADS, et ils ont envie, chaque vendredi, le passé, il prend tout courrier, tout document, vous évaluez, à la carrière, la gardez-vous. Donc, tout d'un coup, pour l'argent qui tombait, et puis, l'affaire vient de changer. Et c'est ça qui fait que, on a dit que après l'arrestation, il y a un paquet de pistes qui doivent être explorées, surtout dans le financement, qui est le plus gros élément qui est dans l'enquête de ce financement. Ne pas oublier que il y a l'argent, tout selon l'information qui a été circulée de la presse dominicaine le 1er avril 2021, qui a fait qu'on est que de 20 millions de dollars américains dépassés par le système bancaire dominicain pour aller assassiner Jovenel Moïse. Ça veut dire qui ça? Par contre, qui dominicain qui a intérêt dans l'assassinat de Jovenel Moïse? Qui est sous le secteur privé dominicain qui a intérêt? Il y a plusieurs, M. Newton, il y a plusieurs monde qui ont intérêt dans le cadre de ce ça en République dominicaine. Parce que, pas oublier, il y a un paquet de dominicains qui ont des films de construction. C'est dans le pays d'Haïti, ils sont multimillionnaires. C'est dans le pays d'Haïti, ils font partie de toute richesse. On a rappelé nous avec Michel Martelly, sénateur Batista, qui a gagné une compagnie tête chargée, qui a fait un pile gros contrat dans le pays d'Haïti. Ils travaillent de concert avec le secteur ouvert gang dans le pays d'Haïti. De mon président parle dans le sens où il y a tout, il y a des nègres tout. Ou avec autant de facilités. Et quand ancien candidat à la présidence République dominicaine met tête ensemble avec collègue corrompu dans pays d'Haïti, il prêté avion pour des colombiens rentrer dans pays d'Haïti à tout président. Ça veut dire c'est pas un secret pour personne que gain des dominicains justement qui dans tout président. On avance. Et ça fait FBI pour le mettre dedans pour tout. On avance. Assassinat ça, mais ça clair, c'est l'agent qui se tient en Haïti pour aller préparer opération criminelle ça. Donc et comme je le dis toujours, chaque fois au bon opportunité à l'heure contre moi, les dimensions encore pour ça, eh bien, toutes les options, toutes les pistes doivent être sur la table pour que nous soyons capables de connaître la vérité pour cette affaire. Mm-hmm. Et vous dites, enquête là, les concentrer, je dis, sous financement, et, mais sous armes que. Matériel et financement. Absolument, ZAM y été utilisé, qui type balle, et pour y être capable d'exécuter le président Jovenel Moïse. Alors, ce n'est pas seulement type ZAM, mais côté ressorti. Côté ressorti, c'est parce que tu as oublié que ZAM, pour ne pas être fait opération criminelle, ça a été déjà. Et donc, il y a plus encore en Haïti pour explorer. Ok, information qui a circulé tout de monde qui impliquait dans le crime ça, et il était passé, République dominicaine, ils font stop pour être capable d'entrer. Je veux dire, ça veut dire des monde qui t'a concerné, que nous étions dans tous les rapports qui fait jusqu'à présent, et on dit attention, bon pas, et qui fait là, dans l'enquête là, qui fait l'avancée quand même. Mais pas d'euphorie, mais piste République dominicaine, hein? Et n'attend tout que, bon, que ce soit au niveau des États-Unis ou bien au niveau d'Haïti, et n'attend, c'est-à-dire pour enquête là, les capables complètes, qui là, et y a capable de commencer à exploiter ça. Est-ce que. Excusez-moi, alors tout ça. Par contre, sous son jet, première déclaration, Léon Charles était fait après le crime. Il était dit que la République dominicaine était joué un rôle. On a parlé de territoire dominicain ou encore supposé institutions et des autorités. Mais il n'y a pas jamais dit un lien sous son encore depuis l'heure. Et ça qui paraît nous étonnant, c'est que après le crime, immédiatement après le crime, le gouvernement haïtien fait appel à FBI, investigateur colombien, mais il n'a pas fait rien, il n'a pas fait aucune demande d'assistance de coopération judiciaire, enquête là, avec les policières, et pour aux autorités dominicaines, parce que son crime qui impliquait plusieurs territoires, il nous prend Colombie, États-Unis, Panama, République dominicaine et Haïti, ça fait 6 territoires. Maintenant, une autre territoire qui est plus important, qui est capable d'avoir des indices vraiment intéressants, c'est le territoire dominicain, c'est le dernier côté
criminel était parti de l'Ivina assassiné Jovenel Moïse. Donc, il est étonnant que ni gouvernement haïtien, ni autorité policière et judiciaire, sous bien entendu le couvert du gouvernement, n'a pas fait aucun pas la direction ça. Ça compte pour qui ça? D'autant plus que Jean Doula et Manuel Patin, qui est une plus spécialiste en matière de blanchiment en République dominicaine, il a dit très clairement le 1er avril que les autorités dominicaines, le système bancaire dominicain, c'est qu'on est très sur les 20 millions de dollars entrés là pour venir assassiner Jovenel Moïse, et ça n'a pas dit autorité haïtienne. Et c'est même bagarre là que, je répète bien entendu, nous étonnés en pile que jusqu'à présent, nous pas porté une partie civile dans le dossier ça aux États-Unis, mais parler de l'État haïtien. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'assassinat de Jovenel Moïse, d'un président, mais c'est une attaque contre souveraineté, nous, comme peuple, comme dit, comme peuple. C'est une attaque contre dignité, nous, comme nation. Et puis, et je dis à la, sous besoin d'informations, autant que ça, le ministère de la Justice aux États-Unis a dit, sa procureur a dit ce dossier-là, nous pas même gagné une unité au niveau consulat, nous. Le Miami, qui apprend information, qui nous pas même présenté ça au Léon à fil à vie pour nous expliquer à qui niveau souveraineté nous est attaqué et qui situation juridique nous savons que nous avons jugé aux États-Unis, qui vient nous considérer parce qu'il s'agit d'une attaque contre notre souveraineté, contre notre dignité. Donc, ça a traduit tout, Madame Bonhomme, la perception et ils ont sorte de complicité au plus haut niveau de l'État haïtien et de la société haïtienne et d'un crime ça. Nous, sous le même gouvernement en Haïti, a peut parler de lui-même. C'est comme si pas jamais un bon président que j'ai assassiné le 7 juillet 2021 en Haïti. C'est vrai. Mmh. Et la justice semblait donc à la marque le pas sur place. C'est comme donc c'est ça, c'est comme on patate chaude. Nous sous, ça dit combien de juges cinquième juge. Maintenant, il faut nous comprendre ça tout. J'aime toujours dire la position, nous. D'abord, nous dit que toute option est douée sous table. Pour la communauté internationale, là, avec les États-Unis en particulier, a fait position. Maintenant, nous toujours dit que crime ça, son complot au plus haut niveau de l'État haïtien, au plus haut niveau du gouvernement haïtien, son complot au plus haut niveau. Au niveau des plus hautes sphères de la société haïtienne, pour assassiner Jovenel Moïse, ça veut dire qu'il y a de grands intérêts. Les auteurs intellectuels, il y a sur l'émission là, il y a Poisard dans la rue, il y a Pomme là, mais il y a Pomme à quoi, il y a Pliavène, mais c'est pas ça que tu as souhaité. Il n'y a pas de souhaité par ça, au palais du tout. Donc, il y a un système qui est aussi faible. Il y a des juges, ou des autorités judiciaires et policières qui ont si peu de moyens, eh bien, et la difficile. Pour yo maré dossier à Jota Domarel. On va en poser une question. En quête là pour finir. Mais qui ça le juge la paix de CPJ fait? Qui ça la police a fait? Ouais, aux États-Unis. Il y a des gens qui ont arrêté. Il y a des gens qui prennent le tribunal là le 25 avril parce qu'ils ont défini qu'ils des coupables pour nous avoir déjà plaidé nos coupables. Mais ouais, ils cherchent le monde toujours. Donc, en quête là, pas arrêté. Rappelez-nous. Mais bon, pour émotion, M. Newton, Marie-Lissi. Et ça pour nous connaître, Haïti n'a pas d'enquête, pas d'instruction qui a fait dans le dossier. Son juge que Paul Denis était nommé dans le système, non? Ou connaît Paul Denis dans tout le président, tout? Et bien, c'est juste ça, il a choisi le dossier pour faire dilatoire, pour faire diversion. Pas gain, écoutez bien, si juge, on juge d'instruction a mené enquête dans le dossier, tu as supposé qu'il y a quelqu'un qui a arrêté. Tu as supposé qu'il y a des groupes qui a arrêté. Qui ça fait ni DCPJ, ni juge d'instruction, pas jamais caractérisé sous le monde qui a l'argent, et compétent DCPJ pas compétent? C'est pas sérieux, man. On avance, M. Newton. Rappelez-nous, non, et rappelez pour l'auditoire là, et non, et Mounsayo, c'est des suspects et importants qui ont changé d'avis, et justement, sous. Et, Mounsayo qui a soyé? C'est Rudolf Jarre, nous qui est Jean-Joël Joseph, ensemble avec Palacios, Antonio Palacios. Mais sous le dossier Mounsayo, et permettez-moi de porter un éclaircissement. Non, au premier temps, là, vous faites arrêter. Donc, entrer dans sa rôle de plea bargaining, dans un processus de négociation avec
et la justice américaine. Mais ça qui est cherché, c'est environ 10 à 15 ans de prison. Mais selon les négociations, ils ont dit qu'ils n'ont pas moins que 30 ans. Donc, ils ont venu changer plaidoirie. Ils ont fait le débat tout le temps pour préparer des sanctions. Parce que pour qui ça? Ils ont gagné, c'est-à-dire, une raison qui est juridiquement fondée et tout ça. Parce que selon l'article 956 du Code de procédure pénale appliqué dans le cadre des procédures aux États-Unis, yo poursuivre Mounzaïo parce que yo dit yo te vin utiliser territoire américain, yo te vin planifier, ça veut dire conspiracy. Yo te vin faire complot aux États-Unis pour faire kidnapping ou un assassinat dans un pays, dans le pays, quel que soit le pays. Oh, Joseph et Jean, ensemble avec Palacios, 4 gens étaient aux États-Unis dans la réunion dans CTO qui est faite en janvier 2021. C'était de préférence Vincent, Solage et Sanon, et Arcangel Pretty, alors qui sont plus Thiago et Ventemi, et c'est moi qui ai obtenu la préparation primaire et l'autre pour n'importe quoi, c'est un. Et sans ne pas oublier, il faut que vous cherchez qui ou que Bob Balthazar a été joué dans la période ça, parce que même lorsqu'ils font coup de fil ou pas dans le bureau, c'est qu'on a préparation primaire aux États-Unis. Donc, avocat, M. Sarrao dit, il y a pour appeler de nos cas parce que chaque il y a des fondements d'accusation, hein, les parquets de Pouyo, clients partent aux États-Unis. Eh bien, l'accusation aux États-Unis, ils font un bagage qui est aussi intelligent, ils viennent prendre des moules, quitter aux États-Unis dans la préparation criminelle, et qui viennent exécuter en Haïti. Nous voulons parler de Solage d'ailleurs, l'ont appelé dans le rapport VI, dans la complète que ils ont déposé devant le tribunal de la Floride, pour mon le suspect number one. Eh bien, c'est Solage. Parce que Solage fait un dernier voyage d'environ 3 jours. Et il va rentrer le 30 juin, 1er de juillet, il est venu retourner en Haïti. Il est venu filmer tes derniers touches pour te préparer à l'assassinat. Donc, Mounzaïo, il est aux États-Unis, je veux dire, il va témoigner contre John Jurel Joseph, il va témoigner contre Jean et puis Palacios. Et il va faire ça avec appétit, parce que faut que pour ton bagage, que je vienne une réduction de peine, et je voulais parler de Vincent, non, de Rivera, parce que Mounzaïo, yo risque de faire vieux la prison. C'est une des raisons qui peut envoyer chercher Mounzaïo en Haïti, on m'a inquiété, et lié pour l'accusation aux États-Unis. Ok. Et justement, on va poser une question, comment, c'est-à-dire, population haïtienne, non, et doit comprendre. Et le fait que gagner des suspects et clés et dans cadre de c'est-à-dire qui dans cadre criminel et puis et soit demandé pour y aller aux États-Unis arrêté ou à l'étranger et puis et ça qui était en prison yo gagner qui est en prison que la justice américaine m'a obtenu et que ben, la justice haïtienne est juge d'instruction et principalement autorisé et pour y aller aux États-Unis. Est-ce que Mounzaïo... Nous ne pas considérer juge d'instruction autorisé. Nous supposons. Bon, bon tu as gagné ou dernière information après transfert à 31 janvier. Tu as gagné information et un avocat qui te dit que ça a gagné quelques jours. Et un avocat suspect, t'as une avocat qui t'a dit que ça t'a gagné quelque temps que les États-Unis t'a souhaité que Mounzaïo yo même yo entré, mais le juge et Walter Voltaire l'étantigeant hésitant. Nous même ça dit qui à qui lunette pour nous Mounzaïo qui gens pour yo analyser qui gens pour nous et comprendre ça. Et d'abord commençons par ce qui est choquant. Par exemple, moi, je songeais depuis en juin, dans mes cours, je t'ai annoncé ça. Et l'autre côté encore, que il y a environ 5 personnes qui ont pris le bras pour aller aux États-Unis ensemble avec eux. Maintenant, ça qui est choquant, c'est que nous n'avons pas aucune note, aucune explication de la part du gouvernement haïtien. C'était le 31 janvier, nous entendons, FBI et l'autre monde aux États-Unis a annoncé ça. Et même là, c'était un simple citoyen, aux États-Unis, c'était un simple citoyen haïtien qui était fait,
eh bien, le gouvernement nous a donné une explication sur ça. Pas besoin de vous. Et c'est un dossier qui est concerné pour ça, sur un cas d'assassinat d'un ancien président d'un pays. Donc, et ça paraît nous véritablement choquant, ni avant, ni pendant, ni après. Nous ne pas connaître qui en ça fait. Certainement, une demande qui fait à travers les affaires étrangères et le ministère de la Justice qui transmettent au gouvernement haïtien. Maintenant, et c'est la procédure. Mm-hmm. Mais, deuxième barrière là, il faut nous connaître que Jean-Moun Abdili et les États-Unis par rapport à Haïti. Non, gagner et un ensemble de conventions en matière de crimes transnationaux que nous signons, et même avec les États-Unis, qui établit coopération judiciaire internationale, l'idée qu'il ne va pas et transfert je dis là, de détenus, l'idée qu'il doit échanger formation et le moment ça là, on est qui Jean juge Voltaire Bralfel, il est capable de faire même demande à la justice américaine, aux juges américains qui se dossier. Par exemple, à quand j'ai prêté la rotisse Antonio Triago et Walter Ventimiglia, nous, il y a une enquête là en Haïti. Il est concerné par l'instruction qu'a faite en Haïti. Donc, il n'y a pas qu'il y a un juge à Bralfel pour le temps de l'autre bagage qui paraît techniquement. Pour nous essayer d'aborder lui. Par exemple, Sanon, lui-même, si on a jugé en Haïti, il a jugé en Haïti, il n'y a pas de perpétuité si on veut condamner. Alors qu'en Haïti, aux États-Unis, il est capable de faire maximum 20 ans de prison. Maintenant, il y a un ajustement qu'on fait. Mais ça, pour les amis auditeurs, comprendre, c'est des bagages qui est normal, mais malheureusement, ça, c'est une inquiétude à moi. Bien ça, il y aurait un take-over qu'on fait dans le ciel. Alors, c'est-à-dire que le système américain a pris un contrôle dossier en Haïti, tout petit gars. Et c'est parce que gagner une piste, par contre, qui est ce système qui peut aller explorer, gagner des voix qui disent, même dans une certaine presse aux États-Unis, que Jovenel Moïse était assassiné à cause d'intérêts géopolitiques. Par exemple, avant qu'il t'a fait vers la Turquie, oui, c'est à travers la Turquie. J'étais venu retourner des rapports avec Venezuela. Et donc, j'étais pris ensemble de décisions de janvier 2021 à juin 2021 en ce qui concerne les relations diplomatiques avec la Russie. Donc, il y a des gens qui pensaient que la direction, ça, où Jovenel Moïse était prêt, était capable de faire les services secrets et américains, de faire mes yeux sous plein assassinat. Donc, ils sont pistes à explorer. Et si tu as gagné en vérité, c'est une parole comme ça qui vient parler dans l'enquête aux États-Unis, ça prend rien l'administration américaine, Biden, non, ça prend rien le gouvernement américain, même l'État américain, en difficulté, très mal à l'aise par rapport à l'autre allié qui vient à travers le monde. Donc, et ça, c'est capable de tout expliquer l'intérêt qui vient pour y sous ce dossier, puis y faire ce dossier en Haïti, pour que son seule vérité de sortie. De vérité par eux, qui dépendent de l'intérêt par eux, de ce qui sera propre. Pour orienter l'enquête là en quelque sorte. Très bien, très bien, c'est ça qu'on va profiter des jours qui viennent. Et l'autre, pour encore, il y a venu chercher la prison, quant au prince, et des mondes de là, tout pour pas t'en penser. Okay. Et maintenant, ça qui est important dans la direction que nous apprenons, c'est ça qui a commencé dans la presse américaine, cette campagne de diversion. D'abord, de la presse colombienne avec le Diaz Carapol qui dit que c'est ancien premier ministre qui s'appelle étrangère, que Joseph qui était responsable criminel. Et nous restons retournés encore de la presse colombienne avec frère Herman Riviera. Et Daniel, New York Times, qui était véritablement qu'il y a une beau campagne, qui n'a pas gagné pour jouer avec Arcangel Brutelotis, qui n'a pas gagné pour jouer avec Antonio Antigago. Ou bien Walter Bentelia, ou bien piste qui menait à des anciens, des actuels, et fonctionnaires, ou bien informants, c'est-à-dire informateurs américains. Donc, cette campagne de diversion, certainement, nous t'es monté et au créneau contre lui, et lui, et ça fait, et ça fait. Mais ça pas voulu dire que, ça pas voulu dire que la direction qui est prise aux États-Unis, c'est la direction de la vérité véritablement vraie. Qui est ce monde, qui est l'autre, qui est fixé, et c'est là que nous gagnons des réserves.
Quand Jacques de Serre a traîné en Haïti, tout le monde prend, il se peut que c'est ces vérités des États-Unis, ben, les mêmes qui passaient, absolument. Pardon? Et la justice haïtienne est en mode d'attente. Et il y a plein de choses qui ont décidé et l'autre bord. Et puis tout le monde a dit que ça. Mais il faut comprendre aussi techniquement que il y a un même rapport d'enquête. Dire, et ça qui était sorti en août, qui était écrit pour être préparé par FBI et la DGPJ. Donc c'est dans la direction ça que tout le monde de justice va aller. Mais capable de gagner, il a dit des imprévus. Et par contre, qui est capable de sortir dans des déclarations d'instruction en Haïti, et ils veulent éviter ça à tout prix. Ok. Donc, ils veulent là, c'est les Américains ou bien autorités haïtiennes? Les autorités américaines ont une responsabilité morale dans tout ça. Voilà. C'est-à-dire, je ne te dis là, il y a des gens qui travaillent pour eux dans le moment criminel, je ne pas dire que tu es là, mais qui t'est venu, qui préparait de l'exécuter le crime. Et nous disons que Antonio Andriago dit, c'est l'avocat, le fait venir ici quelques jours avant le crime, eh bien, il était allé dans l'ambassade américaine pour un briefing. Le contre d'Alfès et Saldati. Donc, il a été entré dans la coca Jovenel avec l'uniforme dit, et aussi son opération dit, on sait qu'il y a une responsabilité morale pour ne pas avoir que l'on lié ni de près, ni de loin à crime. Voilà. Et je veux dire, combien, ça dit, monde qui étranger, haïtien, et qui suspectait un crime, non, et qui n'en prison et en Haïti? Vous considérez monde que vous transférez déjà? Je dis seulement Jean Laguerre civil, qui a une nationalité américaine, tout, qui en prison ici. Maintenant, le procureur a dit que yo pral dans l'autre action, yo pral venir à l'autre charge. Ça pas veut dire seulement moun qui est en prison. Il y a des moun qui n'ont rapport d'enquête là, qui devant la justice haïtienne et la justice américaine qui est en prison. Mais il y a l'autre moun encore qui t'a fait des transactions, qui t'a participé à des réunions, qui était au courant de complot avec tel complot. Et qui met pas tant mieux à des surprises. Voilà. Et ça dit, dans qui secteur comme ça? Dans tous les secteurs. Parce que l'éclair, depuis 7 février 2021, les noms, le tableau, et ça s'est fait dans ce bois, ouais, par exemple, les trois pouvoirs qui sont impliqués, arrivé à 7 juillet, ouais, les trois pouvoirs impliqués, ouais, tout cher de la société haïtienne, il y a des gens qui la donnent. Et écoutez, là, Rudolf Jardil va être 132 000 dollars pour te faire opération. Donc, c'est pas là, c'est sur ta poche. Et tu as gagné une grosse campagne, tu as gagné une grosse fundraising qui t'a fait. Par contre, tu as un dollar, tu as 10 dollars, tu as 10 000 dollars pour te venir avec ce Jovenel Moïse. Effectivement, et c'est là que je toujours parle ensemble avec nous. Moi, dis-nous que moi-même, projet que je gagne, projet Billboard pour que chaque grand nèg qui bat gros l'argent pour tuer le président, pour mettre sous Billboard là, ça veut dire que tu as gagné des gens qui t'a compléter l'argent. Chaque monde baille parti par yo. Chaque monde baille participation par yo pour te déstabiliser pays, pour faire campagne préparation assassinat, pour te payer la presse, pour te payer politiciens, pour politiciens baille conférence de presse dans tout hôtel. Ça veut dire que pour venir mettre cob de yo pour aller recruter mercenaires colombiens pour venir tuer président, il y a des gros cob ça baille. OK? Ça que yo environ 20 millions de dollars américains qui transitaient par des banques en République dominicaine pour aller à jeune colombien yo. Mais je dis ya, nous même ça qui est important pour nous, faut que nous connaissons chaque grain nèg qui baille cob yo, combien cob yo te baille et ça cause l'important pour nous et qu'on est que qui l'a attendé Boulos, qui l'a attendé Dimitri Vob, qui l'a attendé Matéli, au commandant Amédjelan, un pilote n'est qui dans secteur privé des affaires gang nan, pour qui l'a attendé yo et combien cob yo te baille parce que FBI a annoncé la couleur là. Yo dit bagala exactement Jacques Lié, yo annoncé que je dis yo pral parti pour direction comme si m'a du monde qui paye l'argent pour faire crime nan, vous comprenez? Ça veut dire que je dis c'est sous piste la vérité, c'est sous haute intellectuel qui ou prend l'atterri. Ça ou même parti ça monsieur que la paix portant pour vous même en tant que haïtien. Monsieur que la paix portant. On continue tant de mettre Newton Saint-Just pour finir avec parti ça. Et donc vous devez assassiner. Le résultat c'est ça le pays, c'est ça lié. Donc c'est des monde qui gère la docteur prison direct de Yorgue par notre pays
Et maintenant, pas oublier que nous avons en partie dans le rapport là, qui était disparaît sous l'ordre Léon Charles, qui a un rapport avec financement criminel. Par exemple, au monde pour Léon. Parti ça important, M. Newton, tu as toujours évoqué. Et ces questions, ça me toujours posé. M. Newton, répète ton bagage là-bas, entendu encore. J'en sais déjà. Seulement Jean Laguerre civil, il a gagné une nationalité. Dans quel secteur comme ça? Dans tous les secteurs. Parce que l'éclair, depuis 7 février 2021, les noms, le tableau, et ça s'est fait dans ce bois, ouais, par exemple, les trois pouvoirs qui sont impliqués, arrivés à 7 juillet, ouais, les trois pouvoirs impliqués, ouais, tout cher de la société haïtienne, il y a des gens qui la donnent. Et écoutez, là, où dans le jardin, il y a 132 000 dollars pour faire l'opération. C'est pas là, c'est sur la poche. Et tu as gagné une grosse campagne, tu as gagné une grosse fundraising qui t'a fait, par contre, tu as gagné 1 dollar, tu as gagné 10 dollars, tu as gagné 10 000 dollars, pour te venir avec ce Jovenel Moïse. Et donc, pour te venir assassiner. Le résultat, c'est ça le pays, c'est ça lié. Donc, c'est des gens qui gagnent la dette dans la prison, qui gagnent dehors, qui gagnent pas dans le pays. Et maintenant, pas oublier que nous avons en partie dans le rapport là, qui était disparaît sous l'ordre Léon Charles, qui a un rapport avec financement criminel. Par exemple, au monde pour Léon Charles, il fait partie intégrante de la tête. Donc, Léon Charles, que juge Voltaire Wessel Voltaire, attendait à plusieurs reprises. Et ça n'a pas gagné longtemps l'âme, quoi, dans l'espace de quelques jours, et il y a un délai. Donc, où faire le point, expliquer, c'est-à-dire qui bon dossier, qui bon sortir, qui ont avancé sous lui, qui ont avancé la donne, et les États-Unis, et qui ça qui fait et en Haïti, on ne dit pas la justice haïtienne, mais le cas est juste. Et de comprendre position. Et famille Jovenel et Moïse. On a parlé de Martine Moïse, ancienne première dame, veuve Jovenel Moïse, c'est que avocat Lio, et quoi c'est début décembre, il a demandé pour que juge Voltaire lui déporte, il dessaisit de dossiers. Nous parler de questions, voilà, ça qu'a fait sur le plan judiciaire. Mais, on garde tout, son président de la République, il a gagné un pile et ennemi. Mais, les autorités haïtiennes ne sont pas tellement intéressées, c'est-à-dire, et nous garder ça qu'a fait, là, et garder l'attitude des premiers ministres qui pointaient du doigt par. Puis même, mais nous comprenons tout. Le fait que, cité dans le dossier, gagner des mondes qui sont extrêmement importants pour participation dans le crime, ça, que, pas qu'on est, que non cité, que il est à l'ouest, premier ministre, il n'y a pas là, vers après, premier ministre, tout, déclaration de fait, lui, un peu, ça dit, un peu confuse, mais... Ambigu. Bon, il a gagné, parce que confusion, c'est est-ce que, et oui, d'accord, avant, mais m'a dit, oui, il a gagné confusion, parce que il fait déclaration, il retourne sous lui, est-ce qu'elle te connaît? Madame Bono, le problème qui est avec le premier ministre Ariel Henry, c'est que n'importe qui lui a gagné, tout le monde, par exemple, m'a dit, tout ça que vous reconnaissez ça très bien. Bon, les Sénélois, peut-être que dans la période là avant ou après que je suis choisi, je vais même de plusieurs temps, je ne vais pas parler avec lui. Donc, on a bien, on. Maintenant, pour le moment, c'est sans bureau communication pour le ministre, c'est abordé question. Hein? Non, note, tu te fais sortir. Et pour parler en pile français pour ne pas dire rien, hein? Pour mettre pour le ministre dans une situation difficile. Et là, il dit par exemple, tout ça, pour me dire tellement pour se voir, appel, mais par contre, qui est-ce que tu es là, qui est-ce que tu parles de lui? Ce sont des bagages qui sont extrêmement graves. Si on a un monde qui est bien, le premier ministre, au moins, il était honnête, là, il te dit dans ce coup, il est très bien, certainement, il était même essayé de descendre.
là, c'est pas ça le problème, non, mais c'est où est une volonté de la part de Hugo Communication, le ministre à l'époque, pour te cacher au bagage. Est-ce que c'est peur ou peur, est-ce que c'est gêné ou gêné? Donc, le problème n'a pas bien résolu au niveau de communication. Qui ça gagne au Monterello, il était prêt à l'ouvrir l'eau, il était parlé des bagages avec parce que il y a les appels. Mais le contenu des appels ne va rien. Justement. Et donc, c'est un peu ça avec le Premier ministre. Mais on parle de situation. Mais c'est comme monde pour nous battre bravo, pour lui, pour nous féliciter, c'est ancien commissaire gouvernement Port-au-Prince, qui s'est mettre Claude Bedford, qui était posé en action le 9 juillet, et soit deux jours après l'assassinat président, côté que il était décerné de mandats contre des mouns, ok, jusqu'à maintenant Kikembe, qui n'a fait effort, yo soi-disant montré que yo fait tomber mandat ça yo, mais justement non, pour peuple haïtien mandat yo pas tombé et quelques ça laisse et qu'a fait là lumière pour le fait parce que monsieur était invité Dimitri Vob, il invité Regina Boulos, ça veut dire que ouais commissaire gouvernement comme mettre l'action publique, on dit ça veut dire là il saisit des dossiers et rapide vite t'as pas fait suivi, ça veut dire que commissaire gouvernement t'a pas allé dans vraie direction. Et c'est cela là que moi-même toujours pose la question, est-ce que c'est compétent des CPJ pas compétent qui cause nous pas arriver sous piste moun qui baille l'argent? Et maintenant on se dit bagarre qui est extrêmement grave contre quel jour sous l'ordre de Léon Charles que la DCPJ t'a éliminé yon parti dans rapport d'enquête que nèg t'a rapport d'enquête DCPJ parti qui gagnait moun qui finançait crime nan. Et c'est pas qui est extrêmement grave, c'est des questionnements et moi-même t'ai toujours dit ça. Je dis que le dernier parti dans le rapport qui a toujours dit qu'il sorti, est-ce que Léon Charles n'a pas nos explications sur lui? Nous avons besoin de détails. Parce que non, bataille pour jeune justice pour le président Jovenel Moïse. Il doit être maman, papa. Ton écrasé, je n'ai pas de pièce pour me tolérer. Son président qui a assassiné. Il bon jouette. Bah, explication. Juste dit, et pas vrai. Juste dit tel bagaille. Dis un bagaille. Dis vérité, hein. Mais l'autorité ou fait silence, bon, nous pas tolérer. On avance, mettre Newton Saint-Just. Madame Martine Moïse, avocate, et pour question dépôt, là, nous connaissons très bien que le dépôt, c'est un acte volontaire. Le juge a dit qu'il doit choisir déporter, il doit choisir pas déporter. Le monde dit juge a pour le déporter, il n'est pas tenu. Si on veut que le juge n'a pas fait dossier encore, pas continuer à instruire ce dossier, c'est fort, on demande de renvoi d'une juridiction d'instruction à l'autre juridiction d'instruction. Moment là, juge d'instruction. Et donc, c'est voir ça pour l'autre. Et maintenant, c'est droit que vous gagnez, si vous gagnez des suspicions légitimes ce juge-là, c'est toute raison que la loi va vous, il est capable de faire demande ça, mais la demande de dépôt n'est pas un élément qui pour forcer le juge-là à tirer colle. En garde et argument, c'est que avocat, et Martine Moïse estimait que le ben, juge là n'a pas gagné sérénité assez pour être capable de traiter le dossier ça. Et je cite M. Paul Denis, ancien ministre de la Justice, et qui, parce que c'est lui-même qui était nommé et juge là, fait venir et dans le système là. Et nous connaissons Paul Denis tout, en tout cas ce qui se dit, mais ma gagne extrait devant là, parler de Texas, Paul Denis qui était nommé dans ce système-là, et bien, puisque lui-même tout, dans le parti politique initial, est impliqué dans le dossier, parce que ou même peut-être ça, ou pas bien, comme juge, il n'y a pas de sérénité suffisante pour lui. Et mener à bien instruction et dossier assassinat et Jovenel Moïse. Est-ce que ça, Likembe, n'a pas l'avocat là? Est-ce qu'il ne faut pas confondre ça suspicion légitime et sûreté publique? En cette matière, vous êtes capable de faire une demande en renvoi en ce qui concerne le juge d'instruction pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique? Ça veut dire ça. Par exemple, on dit que le juge n'a pas de sérénité assez pour les décider. On a dit que nos zones, nos juridictions côté juge là et là, est capable de troubles ou bien environnement politique, social là, empêcher que le juge ait une sérénité.
pour le décider, il doit demander pour le dossier ça a sorti dans la juridiction, ça pour aller dans l'autre juridiction. Or, sérénité, c'est pas le cas, mais même moi, je mettais des bagages plus rapport avec suspicion légitime. Là, yo attaquer l'impartialité du juge en tant que tel. Et donc, c'est une demande, mais pas des textes là écrits, pas vrai, entrer dans stratégie aucun confrère, mais son demande pour un élément ça a eu, pas de vrai qu'un bé. Mais de toute façon, il n'est pas capable de faire objet d'une demande de déport parce que nous connaissons que c'est juste la cache choisie de déporter. Et s'il y a besoin que le juge n'a pas instruit aussi encore, il connaît qui ça pour faire, c'est pour nous faire une demande de saisissement, bien en renvoi. Voilà. Et ça c'est avocat et de la veuve de Jovenel Moïse. Et il y a une organisation, c'est CARD, et les mêmes qui rappelaient dans un rapport, qui soulignaient que le mandat juge là, eh bien, il arrivait à terme. Et nous, doyen de l'époque, il était évoqué ça pour le juge. Déjà, est-ce que, je pose une question, Franco, est-ce que Jodia, juge ça, il est capable de continuer à travailler et sous dossier, à instruire dossier? Et alors, c'est ça qui fait nous paraître l'aide, qui approche nous de l'application de la loi au niveau de la justice. Effectivement, le décanat, tribunal pour l'instant, c'est pour représenter le doyen. Lui, t'es retiré dossier ça dans le juge Gary Aurélien sous prétexte que il t'a gagné 2 mois pour le rendre une première ordonnance d'habit provisoire, dans le premier rapport sur dossier pour profane qui a suivi monsieur, vous comprenez bien, et puis pour faire une ordonnance de clôture dans 90 jours. Selon ça, la loi dit. Mm-hmm. Il n'y a pas de fait. Mais nous, juge Voltaire, qui a environ 7 à 8 mois là, en dossier, il ne faut pas faire rien. Ça veut dire clairement, moi, je suis capable de dire. Je suis capable de promotion sur ça et mettre Newton. Je suis capable de juge là, intéressé. Gary Aurélien, bien que monsieur a fait cobler dans le dossier, mais justement, qui, quand c'était le monde qui était mobilisé, motivé pour te frapper, monsieur, ça veut dire que quelque part, gon parti qui n'a pas de contrôle, monsieur. Parce que automatiquement, Pierre Espérance commence à attaquer, et bien justement, c'est Dimitri Vokima qui n'a pas de contrôle en tant que juge. Il a demandé pour monsieur, rapide, vite, quitter le dossier. Et ouais, dans le moment que monsieur prend arriver dans la dimension pour le produit, alors pour le rendre dans le dossier, rapide, vite, il a dit, monsieur, délai en passé, monsieur demande un rallonge, il n'a pas balil. Et vous regardez, vous juste ça qui est sous dossier là. Monsieur Balguin, 8 mois dans 4 dossiers. Il faut que j'aime qu'à produire une ordonnance et monsieur continue. Est-ce que vous comprenez? Et chaque 3 mois pour y'a renouvelé, comme si m'a dit possibilité pour ta continuer avec dossier. Y'a pas de bagarre, y'a une possibilité. Mais ouais, juge, Voltaire lui-même, il y a un champ libre devant. Il n'y a personne qui a posé la question pour le faire ça la faire. Ça veut dire que son dernier programmation, son dernier grand juge, pas y'a qu'il place confiance dans lui-même. Y'a dit, mène dossier ça, comme si m'a dit, fait tout dilatoire qu'on capable. Faites tout ce capable là-dedans et puis vous faites en passer. Mais je côté de ça après le compliqué. La justice américaine, définitivement, aboutit avec premier parti enquête. Et vous annoncez la couleur. FBI annonce la couleur. Vous dites clairement, vous prenez le parti pour les gens qui étaient responsables logistiques. Pour les gens qui étaient investis. Ça veut dire que les gens qui étaient financés l'assassinat. Et c'est là que je dis clairement. Réginald Boulos Dimitri va brancher copie de Gassom. Matelik te livre le ranger copie de Gassom. Tout criminel assassin qui est dans le secteur privé des affaires gang nan, ranger konou parce que Kabet la pral kole et c'est là tout le monde pral kon vrai mettre bœuf là avec toute colonne gang qui te vole au bœuf là. Pas gars sorti de là. Parce que les États-Unis d'Amérique a sorti. Il a sorti quand même, il a sauvé l'institution qui est le FBI là. Quelque chose agent ça y est. Quelque chose agent ça y est là, il a sorti. Et c'est là me dit pas gagne route pas bois. Ou même capitaine ou même cap garder là. Intérêt pas ou même, travail pas ou. C'est continuer faire, même je te continue faire, même je te commence faire depuis 19 mois. Ou y là.
c'est partager, commenter, like, abonner, si vous pouvez abonner. Partagez sur WhatsApp, Facebook, tout côté pour faciliter plus de monde capable de participer ensemble avec nous. Parce que le partage émission, c'est une plus grande mobilisation, plus grand booster, plus grande revendication qu'on passe à travers commentaires commentaire et partagez. Intéressant. Continuez à faire. Et Naptounen, pour nous approfondir et débattre sur le dossier ça. Et l'autre sujet qui nous va entrer ensemble avec vous dans l'émission, n'a pas tourné après-midi pour l'autre émission. Moi, maintenant, en pile, c'est tes amis par nous, Beto, Kembe la Balague. Nous, plateforme par nous, qui c'est plateforme YouTube, Info Beto. Moi, maintenant, en pile, Kembe la Balague, rendez-vous cassé pour l'autre émission. Info Beto.